Hey, c'est quoi ça? Regarde! Hey, c'est quoi ça, J'en ai vu beaucoup passer par ici. Mais quand je te vois, mon vieux chapeau de notable symétrique beaucoup de choses. Et j'espère que dans ton église, on dit la vérité. Parce que sinon, moi je vais te dire où tu as mis tes pieds là. Faut serrer ta ceinture. Où tu t'es assis là, faut serrer ta ceinture. Parce que faut vraiment serrer ta ceinture. Pourquoi t'as joué? Elle me demande pourquoi. Alors, prophète, ma prophétesse, tu vois, c'est la joie du pasteur qui était là. Si tu la vois encore devant nous comme ça là, c'est parce que son dossier est encore en étude quelque part. Et elle a la chance parce que tu es venu. Attends, ma pasteur, il te conseille. Où tu es là? Attends, je vais te donner un conseil. Bois le somnifère en journée. Hein? Bois le somnifère en journée. Tu dors. Et la nuit, tu restes éveillé. Je t'ai dit, bois le somnifère en journée. Et la nuit, tu restes élevé. Elle me demande pourquoi. Que ce soit. Que ce soit la nuit, tu vas comprendre pourquoi. Attends. La nuit, tu vas comprendre pourquoi. Que ce soit dans ta chambre. Que tu sois en prière ou que tu sois au salon, tu vas comprendre. Déjà, mon Dieu, te rendre vie. Tu ne sais pas, tu as vu comment ton prédécesseur, l'ancien pasteur, il est parti. Il s'est levé le matin, il a fui. Personne ne lui a répondu. On est venu, on a trouvé tous ses effets, tout était là, tout était. Mais il n'était plus là. Il s'est enfui dans la rue comme un vulgaire voleur qu'on chassait. Je t'ai dit, bois le somnifère en journée. Sinon, tu vas faire 24 heures sans dormir. C'est-à-dire, en journée, tu es éveillé et la nuit, tu es éveillé. Ils vont te rendre visite. Les gens à qui appartient ce quartier, ces gens-là, ils n'aiment pas entendre parler de l'Éternel. Tout ce qui concerne Dieu,
même pas. Donc, ma pasteur, ma prophétesse, bois le somnifère mais tu dors. Et la nuit, reste éveillé. Bon, comme tu es là, j'ai compris que tu étais là. Je suis passé à l'église, mais je t'ai pas vu. Je suis content de faire la connaissance. C'est ça. Nous sommes les anciens. Nous sommes pratiqués. Ok, bon. Comme je dis là, je suis passé, je te mal. Bon, je vais partir. Fais vraiment que Dieu l'aille sous contrôle. Parce que souvent, nous-mêmes, on se demande s'il est vraiment au contrôle. Mais, en tout cas, je vais partir. Ok, j'ai compris. ma pasteur, tu sais, comme il te dit, j'étais à l'église, mais je n'étais pas vu et il n'y avait rien. Donc, si tu pouvais me donner même 16 ans, hein, que je prenne une bonne bière du pays. Hein. Bonjour, je te donne cette fois-ci. Mais attention, l'abus d'alcool n'est pas bien pour la santé. Je donne de façon exceptionnelle. Hein. J'ai compris. Je vois seulement ceci. Donc, que Dieu vous protège. Amen. Que te bénisse, Pacho. À bientôt. Ok, on va finir. Bah, que ça. Voilà pourquoi nous devons prier pour que le fidèle de cette église. Ça va aller par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour ça, nous sommes en mission. Tu sais, ma fille, tu peux rentrer. Moi, je vais rester ici, je vais prier ici au bureau, histoire de procéder un peu à nous. Parce que c'est vraiment bien. Vraiment, il le faut. Et je ferai de même. Merci beaucoup pour ton assistance. On se verra demain. Que Dieu te bénisse. Qui reprend là, dont la femme l'a transformé des pisos en poulet coq. Comment ça? Va des pisos qui parlent, piso. Et voilà la sorcière assise, elle l'a voilà assise là-bas avec le plat des pisos en main. Piso. Je peux savoir ce qui se passe. Toi qui pour me poser des questions sur moi? C'est lui l'aîné de notre famille. Et si tu ne ramènes pas des fils ici là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Comment notre frère était là maintenant, on ne le voit plus, on voit déjà le poulet. Faut nous remettre notre frère. Tu vas me faire quoi?
Vous venez chez les gens et puis vous commencez à jacasser. Je n'ai pas encore oublié le fait que vous avez giflé ma fille. Tu, tu appelles qui jacasser? Tu peux parler le gros français? Oh, qui s'appelle jacasser? C'est lui, hein? Le chef de notre famille. Faut remettre notre frère. Remettre notre frère. Vous allez faire quoi? Transforme-le encore en bébé. Vous allez faire quoi? Sinon, tu peux me faire quoi? Tu vas voir comment je suis laid. Tu me fais quoi? Sinon tu vas faire quoi? Salut, salut, je vous invite à vous abonner massivement à la meilleure maison de production cinématographique, Diabonne TV. Veuillez cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater le périlleur. Hein? Je vais te donner le regard. Donc comme il est mince comme ça, c'est tout ça, quatre bâtons. Tu as l'habitude de manger le haricot avec le bâton, non? Tu as le poulet maintenant. Prends ça et le poulet, tu vas avec. Maman, c'est là alors que tu as attaqué la Russie. Je vais t'atteindre maintenant là, je vais te décrire. Je deviens d'abord à feu. Je vais te donner le coup de poing, le sang va couler. Tu vas dire, aïe, ça fait mal, ne m'attends pas fort. Oh, je te dis ça maintenant là. Je te couille encore fort. Et je te dégage encore fort. Ton sang va couler. Tu n'as jamais vu le coup de poing de Francine Ngannou. Moi, je vais te faire c'est plus que ce que Francine Ngannou n'a jamais fait. Tu me caches. Aïe. 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 Pardon. Tu me tapes. Aïe. Tu me tapes mystiquement. Hey, maman, maman, tu m'as pas bien. Où est ma bimie? Où est ma bimie? Hé, Anti,
La sorcière vient me frapper ici là. Autrement je vois. Tu ne me connais pas. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ne m'abandonne pas. Je te jure que j'ai affaire à un démon, une légende de sorcière. Antier me bat, mon Seigneur Jésus-Christ. Sauve-moi. Anti me carona. Anti, je te dis que je vais te décrire. Au nom de Jésus, je viens annuler tout projet de l'ennemi contre ma vie, contre mon ministère. Au nom de Jésus, rien ne m'arrivera. Je vivrai, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je trempe cet objet dans le sang de Jésus. Je trempe cet objet dans le sang de Jésus. Je ne crains rien parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Tu n'es pas la bienvenue dans ce village. C'est ce que nous allons voir. Peu importe qui vous êtes, je viens annuler par cette action toute présence diabolique et je déclare au nom de Jésus que vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus par le sang de l'agneau. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors je déclare que rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera dans ce village. Et j'accomplirai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu me donnes toujours la victoire. Et je ne crains rien. Parce que je sais que les anges sont avec moi. Je ne crains rien. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Terrible. Je verrai tout dans ce village. J'accomplirai la volonté de Dieu. Rien ne pourra me stopper. J'accomplirai le plan de Dieu. Les âmes seront sauvées dans ce village. Je viens au nom de l'Éternel. Père, je te rends grâce parce que tu es avec moi et parce que tu me donnes la victoire.